Bonjour, bande de psychopathes, ici Merlin Boss pour l'épisode 80 de Rebirth. Dans l'épisode précédent, on a joué avec The Lost et on s'est fait bien exploser. Il me semble qu'on a eu Epic Fetus un moment, mais bon, c'était pas suffisant. Et aujourd'hui, en tout cas, on n'était pas tombé sur Nine Lives, donc bon, bref. Et aujourd'hui, on va jouer avec Blue Baby parce que ça fait un bon moment. C'est parti. Ouais, surtout, on a besoin de débloquer plein de trucs avec lui. Curse of the Labyrinth, ça commence bien. Ça fait quelques jours que je n'ai pas joué, du coup. J'espère ne pas trop galérer. Peut-être pas une bonne idée de commencer avec Blue Baby, mais bon. Évidemment, je fais encore cette vidéo après le taf, hein. Normal. Pourquoi faire simple? Bon, Lust, ça va. Oulala, qu'est-ce que j'ai foutu? Sérieux, il me fait un de damage ce con? Bon, je crois que cette run ne va pas durer longtemps. Dans un sens, on peut avoir accès au Devil Deal directement vu qu'on est dans un XL, ça c'est cool. Bon, le damage de tout à l'heure était vraiment pourri. Hein. Balls of Steel, ça c'est génial. Bon, je nous aide un peu au moins, ça c'est cool. Oh oh. Ouais, non, ça c'est pas cool par contre. Ça va. Quoi, une vie ce truc? Ouah! Donc oui, j'étais parti en vacances, du coup, j'avais enregistré pas mal de vidéos à l'avance. Attention, si jamais il se transforme, on sait jamais. Pas prendre trop de risques. Je sais pas trop ce qui cause leur transformation d'ailleurs. J'aime pas s'ils peuvent faire ça au premier niveau, mais bon. Le mieux, c'est de prendre des précautions, oui. La gorge qui pète un plomb, évidemment, après le taf, ça peut arriver. Bon, une petite run rapide, là, ça ferait du bien, quand même. Là, le premier item room, voyons ce qu'il y a dedans. Avoir fait cette salle, bien sûr. Hein. Quoi, on ne sait pas. Je vais attendre un peu avant de prendre cette pilule. Loki's Horns, ouais. Et pas ouf. Wizard, c'est pourri. Je sais que la plupart des gens attendent avant de passer dans la salle suivante, mais bon, pas que ça fait. Hein. Tiens, ouais, je peux toujours attendre ici. Hein, faire gaffe à ces trucs quand même. C'est bizarre avec Loki's Horns. Bon, ça devrait pas tarder à se terminer. Non, ça nous aide à tirer en diagonale là, c'est marrant. Ah bah c'est fini. Oula, il est bien rapide ce con. Oh là, attention à ne pas se faire piéger. Je sais pas comment j'ai fait ce que je viens de faire, mais bon. Tant mieux hein. C'est absolument pas comment j'ai fait pour ne pas me faire toucher là. C'est un miracle. Un putain de miracle. Ah, connerie. Bon, là, je me suis fait toucher, évidemment. D'une façon débile, hein. Il est foutu. Okay. J'ai gâché la poupe. Attention, je crois qu'il y en a qui explosent. What the fuck? Où tu sors toi? Je t'ai pas vu. C'est pas ce qui m'a touché. Bon, j'ai perdu des vies pour rien. Ça, c'est pas cool, mais bon. On n'y peut rien. Je me demande si Strength me donne un Spirit Heart. C'est possible. Je pense pas que ça m'en enlève. Nike les connes. What the fuck? Tais-toi, toi. C'est pas le moment de biper. J'ai pas de clé.
J'ai enfin ma première bombe. Secret room pour être dans pas mal d'endroits. Là, c'est vrai qu'on aura peut-être l'occasion d'utiliser la technique de du pont créé par la bombe, par la poupe. On verra bien. En attendant, ouais, pour la poupe, c'est peut-être pas l'idéal. C'est pas ce que je voulais faire, évidemment. Et ah tiens, ça m'enlève mon spirit art après, c'est bizarre. Ah bah tiens, pour rester dans le thème de la poupe, hein. Enfin, moi je peux transformer tous les ennemis que je veux en poupe, donc c'est plus puissant. Mais ouais, je suis un peu dégoûté d'avoir gâché la strength card. Là. Et ça, c'était du bullshit. Genre les mouches qui me foncent dessus, the fuck. Vous êtes censé faire des cercles, hein, pas me foncer dessus. Merci. Ok, tinted rock. Hop. Oh, bop. Tant qu'on y est. Oh, puis fuck, hein. J'espère que ce pouvoir me soit vraiment utile contre un boss. Ce serait un peu abusé. Bon, on se trouve. Et c'est assez simple. On a perdu de la vie malheureusement, donc je pense pas qu'on pourra prendre de deal avec Satan, ce qui est extrêmement dommage dans un sens. Mais... ouais, ce coffre nous a vraiment pourri en fait. Hein. On avait une clé, on aurait pu aller dans le shop, essayer de faire quelque chose, mais bon. Évidemment, non. Il fallait qu'on se fasse troller. Non. Pour une ruine avec Blue Eevee, ça commence pas très bien là. Hein. On a un Balls of Steel dans la rotation, mais. Mais bon. Alors, rien d'intéressant là. Gurgling, ça c'est pas ouf. On pourrait transformer les mouches en poupe, mais bon, est-ce qu'on veut faire ça? Pas vraiment. Ça pourrait nous créer une certaine défense, mais... je pense pas que ce soit la meilleure chose à faire. Oh, bordel. Oh putain. Ça, c'est pas bon. Bah... une chance que c'est... What the fuck? Ils ont vraiment des déplacements bizarres parfois. J'ai l'impression qu'ils bougent pas vraiment en ligne. Non, parfois ça... Quoi? Oui, bon, en même temps, je les évite dans le sens contraire, mais c'est... ils font des mouvements bizarres. Non, non, bref. Cette run va mal se finir, évidemment. Et what the fuck? Cassez-vous, bordel! C'est cool, on va mourir au bout de... 7 minutes dans le premier monde encore. C'est génial. Crevé, oui, bordel. Attends, il va me donner... j'allais dire méga Satan, mais non, ça serait pas abusé. Il va me donner Krampus, là, je suis sûr. Hein? Pourquoi je pouvais le prendre, ça? C'est bizarre. Je suis pas censé pouvoir le prendre, ça. Bon. Ça m'a redonné mes 3 vies, c'est génial. J'ai pas compris, mais bon. Tant mieux, hein. Non, je ne suis pas censé pouvoir prendre un... deal à un cœur d'argent avec un cœur avec... non, un deal à 3 cœurs d'argent avec un cœur d'argent, mais bref. On ne va pas s'en plaindre. Ah bah c'est con, du coup j'ai plus la poupe. J'aurais pu l'utiliser pour créer un pont. Mais... bon, de toute façon j'ai pas de bombe, donc bon. Bon, vous, voilà. Ça, c'est cool, comme room à dégager. Très pratique. Putain, on a trouvé le boss directement. Pas sûr qu'on ait envie d'y aller tout de suite, par contre. Hein. On a gagné un petit peu de damage grâce à la cérémoniale robe, là. Bon, ça, c'était con, mais je pouvais pas faire grand-chose. Mais non, 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 arrête tes conneries, toi. Dégage, merci. Ouais, on a
Besoin de plus de vie si on veut pouvoir prendre des Devil Deal ou des trucs comme ça. Bon, tout à l'heure on a eu de la chance, mais... Attends, c'est un double boss en plus, on a peu de chance d'avoir des deals. Mais... Bref, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Toujours pas assez de damage, je trouve. What the fuck? Putain. Évidemment, il me donne pas un cœur d'argent, ce con, hein. Ce serait trop facile. Normalement, les autres sont piégés. Bon, on va jeter un petit coup dans le shop. Un petit coup dans le shop. Un petit coup d'œil dans le shop. Voir ce qu'il y a. Broken stopwatch est bien. Et tout est bien. Bon, le secret room ne peut pas être de ce côté. Elle peut pas être là non plus. Et elle peut pas être là non plus. D'accord, bon, ça c'est réglé. On va chercher l'item room. Les champignons. Calmez-vous, vous. J'ai pas tant de vie que ça, donc bon. Faut faire gaffe quand même. D'accord. Étrange comme disposition de niveau, mais bon. Continuons. D'accord, bon, toujours pas trouvé l'item room. Qu'est-ce qu'il est tué là? Je comprends pas. Ah oui, ça doit être Loki's Horns qui se révèle bien plus pratique qu'il n'y paraît. Where the fuck? Ok, je crois que je vois où est la secret room dans un endroit bizarre. Wow, 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 je vais me faire bloquer là. Mauvaise idée. Bon, allez, toi, fais pas le con et. Ouvre-toi. Parfait. Ouais, non, la secret room ne peut toujours pas être là. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Ouais, non. On va prendre ce risque. Risquer tout ça, mais bon. Vous allez crever, oui. Bordel. Faire attention, mais bon. Bon, il y a quoi là-dedans? Sadonian, ok. C'est une très bonne ferrite. Je pense pas qu'il y ait de damage down, non, parfait. Maintenant il nous faut surtout du damage. Bon, c'est extrêmement risqué d'aller dans la curse room, donc bon, on va quand même éviter. Mon avis, la secret room est ici. Bon, je pense pas qu'il y ait vraiment d'autres possibilités. Un one up, hein, tiens, ça peut être intéressant ça. Je sais pas trop avec combien de vie ça nous ressuscite avec Blue Baby, mais bon, je crois qu'on l'avait jamais eu d'ailleurs le one up, donc dans Rebirth bien sûr, donc ça ajoutera ça à notre rotation. Et j'ai pas assez pour quoi que ce soit. Si j'achète la bombe, ça sera pas bien non plus. J'ai pas envie de faire ça, mais bon. Qui sait, cette Broken Watch pourrait nous sauver la vie. Non, c'est pas là, c'est à côté. Donc bon, tentons. Bon, on a la thune nécessaire, ça c'est cool. Tough clubs, ça donne des bombes. Bon. Sadonian est vachement utile en fait. Hein. On veut tout de suite une différence. Les bombes, ça c'est pas top, et bon, plutôt un coup d'œil à ce qu'il y a là-dedans. Ok. Il est maintenant 9h30. Chut, Canadien, tu as crevé. Bon.
Alors, bon, on peut pas acheter la Champion Belt et l'autre truc en même temps. Mais on peut bien évidemment en choisir un et... Sur le long terme, le mieux c'est quand même ça, hein. Ça pourrait nous aider. D'une façon assez impressionnante. Bon, le flush machin nous aidera pas ici vu que c'est des boss. Bon, toujours transformer des petits ennemis invoqués en poupe, mais bon. Comme je l'ai dit, c'est peut-être pas forcément super pratique. Oulala, qu'est-ce que je fous? Attention à ces machins, c'est pas très... Safe, tout ça. Attention. On a tué un apparemment. Ah, le Sadonion est vraiment cool. On pourrait avoir du damage up, mais bon, ça va pas si... C'est pas si on peut prendre de Devil Deal, justement. C'est assez louche tout ça. Oula, attention. Ring up, bon, si tu veux. Qu'est-ce qui se passe si je le prends? Ça me tue. Et je ressuscite avec 3 vies. Très intéressant. Est-ce que ça valait le coup? J'en ai aucune idée. Mais bon, on a ça maintenant, hein. On peut générer plein de... Ah, j'aurais peut-être dû essayer d'avoir une batterie, mais bon, bref. On peut générer pas mal de vie maintenant, ça c'est cool. Bon, on a quand même sacrifié une vie entière pour ça. Ah oui, tiens, Curse of the Maze. Ça faisait longtemps. Lank. Ouais. Je crois que je l'avais eu d'ailleurs encore dans Rimmers. Lank, ça me récite pas en tant que Blue Baby. J'ai plein d'items de résurrection, c'est intéressant. Je peux encore mourir une fois. C'est pas mal. Oula, attention. Très, très intéressant comme combinaison. D'abord le one-up et ensuite Lank, donc je récite en tant que moi-même. C'est marrant. Pas banal comme comme objet à avoir dans la même run. C'est cool d'ailleurs. Oula, on peut avoir The Hunt, sérieux? On sait pas qu'on pouvait avoir The Hunt dans ce genre de salle. C'est bizarre. What the fuck, depuis quand il tire? Oh bordel. J'aime pas ce boss. Ouais. Pas mal de gens qui détestent vraiment à fond ce boss, mais bon. Là, je me prends beaucoup de dégâts parce que j'ai pas l'habitude, mais... Juste éviter son brimstone tir, ça ira. Voilà, on l'a eu. Non, j'ai perdu un peu de vie, mais pour Lank, ça me fait encore une vie supplémentaire. Très intéressant. Pride. Maintenant, il nous faut du damage. Hein. Bonne ferrite. Une rune Algis, la rune de protection, non. Ça peut être vachement utile. Surtout en fin de jeu en général, mais bon, on va essayer de la garder. Ah tiens, j'ai entendu parler d'une technique pour cette salle. On va passer par le milieu, mais bon. Est-ce qu'il y a un moyen d'avoir cette Tinted Rock? Je ne crois pas. Ouais, je vois à peu près ce qu'il faut faire ici. Mais bref, on va pas y aller tout de suite. Je me demande surtout s'il y a moyen d'avoir la Tinted Rock, mais je ne crois pas, non. Dommage. Attends, les derniers sont ralentis. Ça m'arrange. Bon, si je me prends des dégâts ici, je sais que je suis vraiment con. En tout cas, ouais, ça nous aide déjà bien, la stopwatch. La broken, hein. Pas encore débloqué la stopwatch finale hein, qui ralentit tous les ennemis tout le temps. C'est assez dingue.
mal de range maintenant. Bon, toi, t'es. Non. Il me semble que si on l'explose, on augmente des chances d'avoir des. Devil Deal ou des conneries comme ça. Hierophant, ouh là, nice. Le meilleur truc qu'on pouvait avoir là. Pas mal, pas mal. C'est qu'on peut pas avoir d'Angel Deal vu que. Enfin, d'Angel, bref. D'Angel machin. D'Angel Rooms vu qu'on a déjà pris pas mal de trucs. Ouais, c'est qu'on avance bien. Ah, tiens, c'est vrai que Curse of the Maze nous a mis là. Bon, toi, tu vas être bien utile. Ouais, carrément. Hein. Bon, on fait exploser ça parce qu'on sait jamais. Hein. Qui sait, il y a un Black Market. Non, non. Bon. Oulala, tu vas te calmer, toi. Bon, c'était pas génial, ça, mais bon. C'est quoi ces sons étranges? Qu'est-ce que je fais? Pourquoi ça m'a pris un de... Pourquoi ça m'a pris un de vie, ça? Ça n'a aucun sens. Teratoma est considéré comme un boss, ça te prend un de vie, du coup? C'est étrange. Parce que je m'en con. Bizarre. Judgment, ouais, peut être bien, mais... Évidemment, je tombe sur le sharp plug à un moment où ça me... Ça pas vraiment. Il y avait des araignées. Alors qu'est-ce que je veux? Je vais prendre ça. Ensuite j'achèterai la batterie mais pas tout de suite. Donc ouais, j'aurais pas dû en fait dépenser ça ici, mais bon. Un vieux réflexe. Hein? Ah tiens, cette salle a été déplacée. C'est intéressant ça, c'est cool. À moins que je n'étais là tout à l'heure et que je m'en souvienne pas, bref. Qu'est-ce que je voulais faire déjà? Elle est là. Golden Key, c'est pas mal, mais bon. Je peux vraiment prendre de dégâts pour ça, ce serait abusé. La Bible pourrait m'aider dans ces conditions. Oui, non, là t'abuses. Là t'abuses un peu. Il y a moyen que ça soit là en fait. Ah bah non. Je sais pas si l'autre salle était ici tout à l'heure, mais c'est bien pratique qu'elle ne le soit plus en tout cas. Oh putain, pas cette salle, je la hais. Bon, clairement, ça se passe plutôt bien. On a réussi à tuer le premier assez vite. Je sais plus ce qu'ils font les bleus, ça ne donne pas des mouches. Enfin, parfois. C'est quand tu veux là. Hein. Mortel. Tu vas mourir, oui. Fuck! Ta gueule, toi, c'est horrible qu'il s'arrête. Mais ah! Arrête de me troller. Bon, ça pourrait être intéressant de casser tous les champs. Pignon, je arrête de me mettre dans cette salle, bordel! Ah! Tiens, tout ça pour Poison Touch, quoi, sérieux. Pour des sons bizarres. Qu'est-ce que de fuck? What the fuck? J'entends vraiment des sons étranges, ça doit être la fatigue. Un dime, c'est cool ça. Du coup, évidemment, je regrette d'avoir explosé le machin là, mais bon. Tiens, en parlant de machin, oui, ça n'a rien à voir, mais. Ouais, cette connerie de Secret Room. Arrête de me déconner, toi. Merci, ça devrait être là. Balls of Steel, nice. Badia, c'est Wizard, casse-toi. Ok, pas mal cette histoire de Balls of Steel. Bon, vous savez quoi, on va utiliser toutes nos bombes. Enfin, ouais, toutes. Plus possible en tout cas. Pour ça.
Et ça n'a servi à rien. Ouais. Bon. Voyons ce qu'on peut faire avec le shop déjà. Ça c'était Judgment. Toi, ben, je t'utilise. Okay, Judgment ici. Je sais pas si ça change quelque chose, mais bon. Allons-y. YOLO. Moi quelque chose au moins, c'est pas ton crevard. Strings, ouais. Il est sérieux là. Ouais, il abuse carrément. Il m'a piqué toute ma thune pour rien. Bon, je serais bien Strings contre le boss, même si c'est un peu court. Mais bon. Je vais devoir revenir, repasser par toutes ces salles. C'est pas cool, mais bon. Oh, putain, il y a du bruit en plus. Vas-y. YOLO. Ça nous fera battre ce boss rapidement. Oh là, on l'a bien explosé, hein. HP up, ouais. Brimstone Baby, j'aurais préféré mieux que ça, hein. Mais bon. Tant qu'on y est, on va le prendre. On va retourner prendre notre Algis. Bordel que je n'aime pas ces ennemis. Oulala, non, je veux pas être là, moi. Hein. Bon, il fallait que ce con nous troll et nous mette là-bas, quoi. Sérieux. Ça, c'était dégueulasse. Hein. C'est malsain, tout ce que vous voulez. Fuck you, game. Bon. Oh, mais arrête avec tes trucs, là. J'y vais pas, je suis bou, baby. Ouais. Putain. Sérieux, là? On perd toute ma vie d'un coup, c'est super. Bon, là j'ai pas l'impression qu'il me serve vraiment, ça j'en sais rien. Ah ouais, tu utilises Brimstone Baby aussi. Et que je l'oublie tout le temps. Ah tiens, là, cette poète, ça fait longtemps que. J'ai pas agi. Sinon c'est quand tu veux que... What the fuck. Ça doit être ça le toenail. Donc je n'en veux pas. Je sais pas comment ça marche le machin. J'ai absolument pas confiance. Je vais très vite m'en débarrasser. Merci. Oh bordel. J'ai pas de bombe ici. Bah, c'était risqué ça. Brimstone Baby, sérieux. Pas que j'oublie. Il est génial ici. Ah, c'est génial ça. Meilleure pilule que je pourrais avoir dans le sens. Allez, oublie pas. Hop, ensuite, hop, et... Hop, génial, on a regagné notre vie, c'est cool. Ça débrouille plutôt bien. Pardon, surtout la run qui est intéressante, mais. Est-ce que je peux faire tout ça d'un coup? Pas de secret room. Oh bah, ça valait le coup. De même. Ça valait encore plus le coup. J'ai pas vu le deuxième sur le moment.
Attention! Ah, j'ai vu trop tard le. Le piège. Oh, encore une batterie, cool. What the fuck, qu'est-ce que. Tu choues. J'aime pas cette salle. Ouais, j'ai eu chaud là. Ah, tiens, on a la Curse of the Blind. Bon, espérons que ce soit pas. Le Curse Tail. Fire and Flame Tears. Ah, c'est intéressant ça. Juste faire attention aux explosions qui arrivent parfois. Ouais, j'ai une batterie ici, c'est pas trop intéressant. Tiens, Black Heart, c'est cool ça. Ça va où cette flamme vient de disparaître? Ah non, c'était à moi. Bref, n'importe quoi. La fatigue, la fatigue. What the fuck, qu'est-ce que c'est que cette salle? Non, c'est rien. Bon, n'oublions pas de faire attention aux explosions. C'est son Brimstone Baby aussi, hein. Quand on peut. Une autre bombe. Ah bah, le boss n'était pas là. Les flammes, très utiles. Putain, j'ai oublié Algie, sérieux? J'ai foutu. Apparemment, on a oublié Algis, ouais. Ah, il y a une Tinted Rock ici. Effectivement, on a oublié Algis. C'est pas une bonne chose à faire, mais bon. Il est fait, hein. C'est très con, bon. Tiens, on a. Oh, il y a une full vie, c'est assez dingue. Ça explose. Ouais, c'est vraiment dingue qu'on ait regagné toute notre vie alors qu'on n'avait plus rien. Enfin, on n'avait plus rien, on en avait perdu énormément. De façon assez débile, d'ailleurs. Donc ouais, cette run n'est pas rapide, mais elle est bien. Elle est bien, elle est bien. Bon, je sais pas ce qu'il y a dans le... Voilà. Je ne sais absolument pas ce qu'il y a là. Et je sais plus ce que je check ou non. Bon, on n'a pas de curse bizarre, donc on peut toujours vérifier. Pas mal de possibilités. Bon, ça pourrait être là. Non. Ok. Est-ce que ça pourrait être à gauche aussi? Je vois mal la secret room être là-bas. J'espère ne pas avoir déjà check ici, ça serait con. Non, ça va. 3 scènes, bon, c'est pas idéal. Je sais pas s'il peut y avoir des explosions au niveau des flammes, mais bon, on sait jamais. Bon, bah on va continuer par en haut parce que je sens que le boss est de ce côté. Ah tiens, marrant. Bon, en tout cas, avec notre Satanic Bible, cette run a l'air bien assurée. Bon, il nous faut toujours du damage, hein. What the fuck? Qu'est-ce qui vient de se passer là? Bon. Lucky, hein. What the fuck, c'était là. Hey, casse-toi, toi. J'aime pas ce machin. Oula, il se pousse tout seul, c'est cool. Ah, super, le... La curse, là. Bon, de toute façon... Qui n'a jamais servi à rien. C'est con, pour une fois qu'on avait de la vie à donner. On a rien. Tant pis, passons au niveau suivant. J'aimerais vraiment avoir du damage là. Curse of the Lost, ça fait quoi ça? Pas de map? Bon. Du fou, je dirais. Hein. Attention, bonnes explosions.
Charge dispo, bon. Envy, je l'aime pas trop celui-là, mais bon. Un tout petit peu de damage, on a le fire qui aide énormément apparemment. Ouais, c'est vachement utile ça. Oh, c'est vraiment cool ça. Pratique, bon évidemment on voit que dalle. Oula, attention toi. Ils sont pas utiles, Brimstone Baby. Oui, c'est l'île Brimstone, je sais qu'il s'appelle pas comme ça. Non. Je l'appellerai toujours Brimstone Baby, parce que voilà. J'aime bien ce nom. Ah, Chubb, il va prendre cher. Oula, il a failli m'avoir là. Ah! Pourquoi il est pas mort avec la TNT? Ah, il est toujours là ou? What the fuck, qu'est-ce que... C'était que ce début de salle qui a failli me tuer. Enfin... Me faire du mal, plutôt. Pourquoi je n'utilise pas la Satanic Bible? Bonne question. Bon. Je vais peut-être de me prendre un damage. Au cas où. Je ne sais pas. Bon. Peut-être plus utile d'avoir une charge et d'être full vie. En bon, bref. Ah bah voilà. Pratique ça. Brimstone Baby. Mysterious Paper, ouais. Truc toujours en rapport avec The Lost. Bon, toi, tu sers à rien. Non, je préfère un Black Heart. Ouais, y'a rien de ce côté. What the fuck. Alors, on peut créer des explosions même quand la salle est finie. Même quand la salle est finie, apparemment. Bon, bah, je crois qu'on a tout exploré de ces côtés-là. Oula, cette salle est accélérée, ok. Elle est étrange. Dieu, lui, il est bugué ou quoi? Pas compris ce qu'il a foutu. What the fuck? Calme-toi, calme-toi, arrête! Pourquoi j'ai un bouclier? J'en ai aucune idée. Mais d'accord, l'angle ça me ressuscite, c'est pas celui qui me donne un bouclier. Je crois pas, non. J'ai aucune idée en fait. Bref. Ouais non non, l'angle c'est bien ça. Je confonds avec le Celtic Cross, ouais. Mais bon, du coup je sais toujours pas pourquoi j'ai un bouclier, mais bon. Tant mieux. Vas-y, on va voir s'il y a pas une secret room de ce côté. On sait jamais. J'ai toujours arrivé, mais... Bon bah non. On a trouvé pas mal de thunes, ça c'est cool. Ça permettrait de prendre un truc connard. Un truc intéressant dans le shop si on le trouve. Je ne sais pas pourquoi j'ai perdu un cœur entier. C'est peut-être un champion, bref. Oh. J'ai l'impression qu'il y a une modification de musique, j'en sais rien. Bizarre. On verra tout ça plus tard. Oulala. Qui est-ce qui m'a touché, hein? Bref. Tout cool ces trucs. Ça me permettrait de voler pour une salle, mais bon. What the fuck? Bon, je vais faire gaffe quand même. What the fuck? Faut vraiment que j'arrête de faire ça. La Rat Candle, oh, j'ai besoin de que dalle d'ici. C'est notre dernier shop en plus, c'est dommage. Bon, je reprends une bombe. Pas forcément besoin d'une autre charge de ça. Hein. Voilà. On avance pas assez vite, mais bon. Continuons, là il y a... Eh, il me semble que c'est un boss of steel ça. Je suis pas sûr, mais dans le doute, je vais essayer de l'avoir. Ah non, faut-il éteindre l'énergie, c'est encore mieux. Bon, on pourra l'utiliser quand ce sera nécessaire.
Attends, je sais vraiment plus par où aller là, par contre. Alors là, il y a le shop, là, il y a ça. Ok, j'étais pas allé de ce côté, étrange. Je pensais pourtant. Bon. Une tinte de rock en bas. La small rock serait la bienvenue. Ah, malheureusement, non. Tant pis. Normal Mom apparemment qui ralentit, ça c'est génial. Il explose, on va faire gaffe. Je sais pas ce qui fait exploser les trucs hein, mais bon. Putain, il y a des explosions de partout, c'est dingue. Ouh là là, mais vu du sort quoi. J'ai pas compris de le sortir cette explosion, mais bon bref. Run très intéressante en tout cas. Oula, ouais, je vais éviter de me prendre autant de dommages par contre. Hein. Là, vu qu'elle est ralentie, ça me fait complètement bugger. Bon, on va essayer d'aller à The Lamb. Les deux sont super. Enfin, les deux sont super. Il y a un guppy et un truc bien. Prendre les deux, soyons fous. Je sais, c'est dangereux, mais on a un fortiteur énergie qu'on pourra utiliser plus tard. Oula. Non. Alors, qu'on utilisera dès qu'on aura chargé notre Black Bible, là, comme j'aime bien l'appeler. Satanic Bible. Oh putain, t'aurais peut-être pu ralentir cette salle plutôt parce que bon, je la sens pas trop. Non. Toujours le Little Brimstone, Brimstone Baby que j'utilise. J'ai pas utilisé depuis un moment. J'aimerais bien check ce qu'il y a là-dedans. Ouais, ça pourrait être intéressant, mais bon. À éviter. Ah bah c'était pas de ce côté. Une tinted rock, de la thune qui ne nous sert à rien. À part si on trouve une donation machine, mais bon. Ça m'étonnerait que ça arrive. Ah tiens, on a ça, utilisons notre pilule. Ah tiens, ça le charge et ça nous donne 2 d'ailleurs. Pourquoi ça? Étrange, bref. Bon, nice, nice, nice. Attention avec ça. N'hésitons pas à utiliser notre Brimstone Baby. Voilà. Ah bah toi. Allez, ramène-toi. Ah, j'étais sûr que ce serait pas là, mais bon, je suis quand même allé en bas. Alors, attention au creep qui laisse. C'est quoi ça? Bad gas, ouais. Attention aux explosions toujours. À gauche peut-être. Polycéphalus. Je sais pas si le bad gas lui a fait quoi que ce soit, mais bon. On gère plutôt bien. Hein. Ermite, bon, pas très utile là. Ah putain, évidemment qu'il explose dans notre gueule. Hein. Forcément, il fallait que ça arrive. Qu'est-ce que tu fous toi? Bordel, tu vas te ramener, oui. On peut bien charger tout ça. Je crois que c'est bien par là. Là c'est cool. Non, c'est pas cool par contre. On a eu un, je sais pas comment. Il nous aide bien quand même le petit. Il est maintenant 10h. Non mais tu m'interromps en plus, ça va pas non. Canadien. J'ai le petit Rotten Baby, nous aide bien. Ouais. Oh bah c'était pas par là, sérieux? C'est horrible. Bon, on a eu les yeux par miracle. Grâce aux explosions, sans doute.
Bon, c'est gouré de chemin apparemment, ça c'est pas cool. On va charger un peu. Ah bah merde! Bon bah fuck, hein, on a tout exploré apparemment. Ah non, mais t'es sérieux là? Bon, où est-ce qu'il serait le boss? Plutôt en bas, je pense. Oh, putain. Bon. Bah non, alors, hein, il est en haut. Cartridge, je sais jamais ce que ça fait, mais bon. What the fuck? Ça explose direct, tu veux que je fasse quoi? Bon, peut-être que je ne tire pas dès le début, mais bon. Ah, tiens, j'irais bien là. Ah bah non. J'irais bien la fessée rétromètre là, mais bon. Tiens, en parlant de ça, on peut essayer de check. Hein. La possibilité. Un peu trop d'ailleurs même. Ok. Bon, on a perdu toutes nos bombes, mais bon, on en récupère deux. Attention aux explosions. Eh, il y a une Tinted Rock ici. Bon. Allez, Small Rock, donne-la-moi. Sois cool. Oh, putain, sérieux. Il veut pas, il veut pas. Hein. On peut pas y faire grand-chose, mais bon. Oh, sérieux. T'abuses. Pas d'autres Tinted Rock, je ne pense pas, non. Nope. Bon bah continuons. Et le boss est là. L'autre, oh putain. Attention aux explosions avec lui. Oh sérieux, ça a explosé sur quoi ça? Sur quoi t'as explosé? T'as explosé sur rien. Arrête de te foutre de ma gueule. Ouais, par contre c'est normal qu'il y ait autant de creeps partout là. C'est quoi ce délire? Ouais, merci, il est tellement ralenti que... Oh putain, sérieux. Non, ça c'est vraiment pas cool. Je hais ce boss, sérieux. Bon, il est sur le point de crever, bon. T'es sérieux, toi? Crève! Merci. Un tir, il manquait. Pas de devil, sérieux. Genre... Fuck you, quoi. Ok, bon, bah... Je suppose qu'on va arrêter à ce damage là, ce qui est dégueulasse, mais bon. C'est vraiment dégueulasse, oui, c'est bizarre. C'est assez dingue, d'ailleurs. Mais bon. On voit pas notre vie, super, je hais cette curse. La curse, ça va être la curse que je déteste le plus, ne pas avoir ma vie. Parce que ça me perturbe à fond. Guppy peut-être? Non, une bombe de merde, super. Qui c'est? Peut-être un truc intéressant. Bon, pour l'instant il nous fait une bombe, c'est pas ouf. Ah, il est sérieux ce con! Ok, j'ai le seum là. Je suis dégoûté. Du damage pour rien, c'est cool. What the fuck? Je perds beaucoup trop de vie, bon. J'ai vraiment pas envie de mourir dans cette partie, ce serait très 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 cool. Mais bon, je sens qu'on a pas assez de damage. Hein. Le Devil c'est un peu foutu de notre gueule. J'ai l'impression d'être dans un XL floor là. C'est n'importe quoi. Wow wow wow, calme-toi toi. Les explosions ça nous aide pas trop au final. Enfin, ça nous aide bien sûr. Là. Toutes les flammes par terre qui explosent les boss, mais.
C'est aussi extrêmement dangereux. Putain, il me faudrait vraiment le... Tu vas arrêter d'exploser, toi, oui. Il me faudrait vraiment la small rock, si possible. Enfin, il nous a redarré beaucoup au niveau damage. Hein. On va arrêter de tirer partout. C'est pas une bonne idée. What the fuck? C'est bon, elle est morte? Apparemment. Non, on a bien trouvé la boss en tout cas, ça c'est cool. Pas trop comment on va gérer contre lui là, mais. Enfin contre Eclipse, mais bon. Rien de d'avis, ça c'est bien. Bon. Attention aux explosions contre les yeux, what the fuck. Ok, bon. C'est parti. Allez. Allez, là je veux des explosions et que ça lui fasse mal. Voilà, ça c'est bien. Ça c'est parfait. Explosion et truc. Explosion et que ça le blesse. Putain, qu'est-ce que... Non, mais explose pas sur la gueule, s'il te plaît. Bon, je me suis pris du damage, c'était très con. N'oublions pas qu'on a Brimstone Baby aussi. Utilisons-le dès que possible. Il risque de bientôt tourner, attention. Hop là. Allez, on est chaud là. On est chaud. Pas de ralentissement sur lui, malheureusement. Ça nous aurait beaucoup aidé. Bon, intéressant ici, bien sûr, on va prendre par là, vu qu'on sait jamais. J'ai entendu parler d'un bug qui peut changer notre trajectoire, bref. Est-ce qu'on est assez puissant? Il y a plus tant de vie que ça, au final. Hein. Oh putain, The Cage, youhou. Ah, t'es sérieux, là? Barre-toi, bordel. Trop de vis machin. Ouais, on a pas assez de damage. Hein. S'il y a pas un truc qui nous sauve, là, on est mort, je crois. Bon, toi, tu vas crever, tu me gaves. What the fuck, sérieux. Bon, ok, on est mort, c'est bon, on a compris. Arrête de faire chier, merde. Bon, Hierophant, il me sauve un peu. Désolé pour la vulgarité. Mais bon, il me gave ce truc. Ok, bon là c'est du gros troll, j'ai l'impression là. Le jeu qui se force à me redonner des cœurs. Non mais vas-y, tu peux y arriver. C'est n'importe quoi. Non mais ses yeux aussi quoi, sérieux. What the fuck? C'est le cartridge apparemment qui va me donner ça, je ne savais pas. Bon, c'est peut-être un bon item alors. Oh putain, cette salle en accéléré, sérieux. T'abuses là? Attends, ouais, on va faire ça. Là, tiens, ça m'a téléporté ici. Ouais, je veux pas faire cette salle en accéléré. Déjà qu'en normal, je galère avec. Voilà quoi. Mais je. What the fuck, qu'est-ce qu'il m'a fait lui? Mais je sens que le boss est par là. Fallen, bon, malheureusement il peut pas me donner d'objet là. Et pourquoi j'ai pas réussi à éviter son tir? C'était bizarre. Effectivement. Comment je fais pour perdre autant de vie? C'est dingue! Bon bah je vais mourir, ça c'est clair. Bon, je suis sur le Hank, le. Pas que je l'oublie ça d'ailleurs. Mais bon. C'est pas par là, apparemment. J'ai vraiment besoin qu'il ralentisse pour le boss là. Sérieux, les explosions quoi. Oh putain. Et ses ennemis en plus. Non mais sérieux là. Arrête. Tu gaffes. Aïe aïe aïe.
allait tellement vite tout à l'heure et bon, j'ai tout perdu. Cool. Ouais, mec, qu'est-ce que tu l'as, toi? Bon, c'est peut-être pas la meilleure chose d'utiliser là, mais bon, bref. Putain, mais tu vas mourir, toi, un jour, bordel! Putain, ouais, attention aux explosions sur l'œil, hein. Oui, ça peut exploser sur l'œil aussi, c'est débile! De boss là sans doute quelque part. Ok, bon, j'aurais pas la charge à temps, mais je le sens pas là. Ouais, c'est bon. Je pense que je devrais essayer d'avoir une vie en plus au cas où. Ça devrait le faire. Je sais pas trop comment ça va se dérouler ça, mais bon. Bad gas, ouais, bon, c'est pas ça qui va me sauver la vie. Bon. YOLO, hein. Oula, t'es pas mort, toi? J'ai l'impression que notre speed est pas ouf, donc on va faire attention. Dernière fois, Control Fun, on a galéré. Il a pété un plomb, lui. What? Non, pas contre lui, sérieux. Là, je crois qu'on est mort, hein. Ouais. Pas trop comment... Ouais, merci. Mais sérieux, quoi. Non, on va encore perdre, c'est dingue, hein. C'est, oui, c'est dingue. Putain, sérieusement? Bon, je suppose qu'on a mal joué aussi, mais bon, quand même, quoi. Bon. Ça reste du gros bullshit, tout ça. On va même pas passer le Fallen cette fois. Hein. Évidemment, comme d'habitude, on n'aurait jamais dû choisir d'aller vers The Limb. Hein. Le Polaroid Effect nous aurait beaucoup aidé. Là, bon, voilà, c'est fini. Bon, c'est con. Cette run était très intéressante, mais... Mais c'est mal fini. Je suis vraiment dégoûté. Bon. Je n'aime pas ça du tout. Voilà. Run de merde. Encore arrivé à rien, c'est cool. Putain de conneries. Bon. Après pour la suite, en tout cas, c'était Merlin Boss pour l'épisode 80 de Rebirth. Et on se retrouve dans le prochain épisode. À la prochaine. What the fuck?